La thématique était très intéressante puisqu'il s'agissait d'aborder un petit peu le nerf de la guerre des entreprises, c'est-à-dire l'argent. Comment est-ce qu'on fait ? Donc on a eu différents témoignages qui ont permis d'amorcer la discussion avec Anissé Martin, donc d'Oshun, qui a pu présenter un petit peu une réalité un peu plus locale et propre à la Guadeloupe, qui fonctionne depuis près de 15 ans sur beaucoup d'autofinancement, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de chefs d'entreprise créatives. Ensuite, on a eu une autre sphère avec Clarisse Yerex, qui, elle, est plus sur le luxe. Et donc là, pour voir en fait que c'est possible qu'une entreprise créative qui touche au secteur de la mode peut aboutir à quelque chose de sûr, de stable, de viable et surtout qui rapporte de l'argent. Je pense, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le vécu. Parce qu'on a beau avoir toutes les personnes qui sont intervenues et qui ont été vraiment porteurs pour tout le monde. Mais l'essentiel, c'est vraiment de savoir comment un jeune créateur s'en sort. Et il faut vraiment des fonds, quoi. C'est pas possible de commencer une activité telle que la mode, faire des collections, ça coûte une fortune. Qu'on fasse du luxe ou du prêt-à-porter, il faut vraiment avoir fait un business plan, avoir préparé son projet avant de commencer quoi que ce soit. Sinon, c'est juste pas possible. En termes de développement, le financement est quelque chose d'essentiel, mais de compliqué. D'une part, ça m'a boosté de l'intérieur quant à l'obligation de vraiment bien se préparer en termes de business plan, comme il disait, en termes de l'univers même que l'on écrit autour de la marque que l'on veut proposer, rencontrer les investisseurs potentiels. Ça me fait voir effectivement qu'en Guadeloupe, on est quand même bien limité, mine de rien, parce qu'en privé, on est limité, en banque, on est limité. Donc voilà. Mais sinon, une chose qui me fait vraiment plaisir dans tout ça, c'est que la vision qu'on a, elle est la bonne. La réflexion qu'on a eue, on ne s'est pas trompé. Et que voilà, quoi, on continue à travailler. On est confiants.